こんにちは。Et voilà le héros, le voilà bien sûr, c'est Christophe Soumillon, le héros au Japon. Bravo, félicitations tout d'abord Christophe. Merci, merci. Félicitations. Ça, ça fait plaisir. Des courses, t'en as gagné des belles. Mais celle-là, devant plus de 100 000 personnes, ça fait quoi? Bah ça fait... Déjà c'était pour moi très sincèrement une course que j'imaginais plus gagner depuis que je me suis plus donné d'objectif de revenir au Japon l'hiver. Donc c'est très... C'est très difficile de se faire inviter. Aujourd'hui, j'ai eu la chance que le championnat des jockeys soit le même jour que la Japan Cup, ce qui avant n'était pas le cas. C'est ce qui m'a donné l'opportunité de pouvoir monter à la Japan Cup. Puis en plus, c'est difficile quand on n'a pas monté les préparatoires de se retrouver sur un cheval qui a une bonne chance. Avant le coup, c'est vrai que je n'étais pas dans les 2-3 premiers favoris, mais voilà, il faisait partie des 4-5 meilleurs chevaux de la course. Cheval très délicat et sincèrement, je voulais la gagner par vengeance parce que j'ai vraiment eu l'impression, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, que cette course-là, on me l'avait un petit peu volée injustement. C'était une gêne, mais qui n'était pas au goût de beaucoup de gens vraiment sérieuse. Et là, voilà, Bonavista ne méritait pas d'être distancé ce jour-là. Mais voilà, ça fait partie des courses malheureusement. Voilà, j'étais vraiment... les années suivantes très très déçu parce que je pensais pouvoir la remonter elle et en remonter d'autres comme Orfèvre et j'étais pas invité par la Jira pour pouvoir les monter parce que j'avais soi-disant été un peu trop dangereux. Donc j'étais vraiment blessé et déçu et aujourd'hui voilà c'est une revanche sur le destin et des fois des règles qui sont pas toujours au goût de tout le monde. Mais bon voilà je suis revenu, j'ai la chance de gagner une course qui manquait à mon palmarès et que je souhaitais absolument avoir mais que j'avais un peu effacé de ma tête il y a quelques temps. Mais bon voilà aujourd'hui j'ai la chance d'être surtout très très suivi par la famille Yoshida qui me donne toujours la chance de monter leurs meilleurs chevaux quand ils viennent en Europe ou quand je viens au Japon. Mais comme je disais à vos confrères, j'ai beaucoup de mal avec le poids, tout le monde le sait. Je ne peux pas monter ici à un poids inférieur à 55 kilos. Donc, D'ailleurs aujourd'hui, tu t'es mangé une amende. Malheureusement parce que voilà, les règlements c'est comme ça. Je suis arrivé à l'heure mais on m'a dit qu'il fallait que je me pèse une heure avant. Donc finalement bah, voilà, j'ai pris une amende mais ça fait partie des courses. On sait qu'ici au Japon les règles sont très strictes et on ne fait pas de cadeaux. Donc voilà, moi non plus j'en ai pas fait. J'ai gagné la course que je souhaitais gagner, je suis heureux. Voilà. Bravo Christophe, bravo, félicitations, bravo.